Twitter News. Aujourd'hui dans Tu connais, on va tester Redimer. Allez, on va voir comment c'est en jeu. Je pense que j'ai un petit peu le micro. Plutôt que je réduise un petit peu le son du jeu. Voilà. Okay. Je donne des coups de pif là. Ouais, c'est un petit peu fort, on va baisser un peu le volume du jeu. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ok. C'est parti. Alors, Redimer, un jeu vu du dessus. Ça peut faire penser un peu à un beat'em up. Sur certains aspects, ça fait penser un petit peu à Hotline Miami. En 3D, le jeu est sorti il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Il y a une version enhanced qui est sortie depuis, pour remasteriser certains trucs, améliorer un peu l'équilibrage. Ajouter un mode 2 joueurs. Voilà, bon, donc j'ai des attaques, alors je peux donner des coups de poing, bon là c'est j'ai une arme d'équipée, donc attaque avec une arme, je peux donner des coups de pied, enfin une attaque large qui va toucher plusieurs ennemis, et je peux faire des roulades. Quand les ennemis attaquent et qu'ils clignotent en rouge, je peux faire une parade, et puis je peux faire des exécutions, ramasser des objets du décor, c'est certains qui sont marqués pour leur envoyer sur le pif. Ah, je peux même ramasser une torche. Et donc les armes ont une durabilité, là je vois 14% pour mon couteau, celui-là on a 35. Donc là à mon avis je peux empaler un bonhomme dessus. Mort, bim. Ça ou ça? J'ai 2 balles là-dedans. Cartouche. Hop, je peux faire des stealth kills par derrière. Personne n'a rien vu, si? Ah, si, ils ont vu. Ok, donc il y a des petits pick-up. Alors donc ça c'est des caisses à envoyer à la tête des bonhommes. Donc il y a des armes à ramasser. J'ai des shotgun, pistolet, j'ai des torches. Et puis je fais des level up, on va dire. J'ai des skills. Skill de moine, skill de soldat. Donc là, c'est pour avoir plus de munitions dans les armes. Donc on va rajouter... Là j'ai un manuscrit, donc c'est de ce côté-là, côté moine, et ça c'est côté soldat. Et donc une fois que je pense que j'ai la jauge qui est remplie, je débloque un point de perk qui me permet d'avoir genre des silencieux sur le pistolet, ce genre de choses. Des nouvelles attaques. Ah par exemple, coup de poing, j'ai débloqué une attaque. Donc moi je veux mes coups de poing. Donc fast attack pour les single target. Les coups de pied c'est plutôt pour multiple target. Puis les attaques de mêlée qui sont plus durables. Et donc le fait de monter ces trois là, ça va monter le...
le niveau de défense du moine. Donc là, apparemment, j'ai voilà un point de perk. Donc les points de perk sont montés séparément, donc là c'est beaucoup de points. Donc un combo avec une attaque de plus, Powerful Punch. Ah, je peux pas l'enlever. Bon, bah, j'ai pris ça du coup. Yes. Ok, pense. Hop là, ok, bon, on va tester ça. Faire des exécutions ou envoyer des trucs sur la tête des bonhommes, je crois que ça remonte la vie. Ce qui fait que c'est. Quand je dis que c'est un peu. Ça fait penser un peu à Hotline Miami, c'est quand même beaucoup moins punitif par défaut. Hein. On meurt pas instantanément. C'est pour ça qu'on a un plus à mi-chemin entre ce genre de jeu et puis un beat'em up. Pelle. Quand même pas mal d'items, hein, donc on est pas, on est rarement tout nu. You are beyond saving. Ok. Chercher d'autres armes. C'est pas un mur quand même, lui, hein. Peut-être qu'il faut que je passe dans son dos. Ça m'a bien remonté ma vie, en tout cas. Ah. Bonne grosse massue. Par contre, de par défaut, je crois pas qu'il y ait de carte pour pouvoir en parler, donc c'est. Ouais, c'est ça. Ça. Faut juste apprendre la map. Enfin, apprendre. Faut regarder comment ça se passe. Quoi. Après, j'ai les petits indicateurs sur le coin, là, je vois qu'il y a un ennemi, puis je vois son cône de vision. Je suis quand même pas. Ça c'est ballot. Trois ennemis qui me tirent dessus. Voilà, c'est. On meurt pas si vite que dans Hotline Miami, mais faut quand même pas faire n'importe quoi. Par là peut-être.
tente jamais la tête lui. Très très bien le shotgun. Enfin, en tout cas cette distance. Ah oui d'accord. Ah, okay. C'est là où j'étais tout à l'heure. J'aurais peut-être pu faire le tour de ce côté. Mais... Alors sur le stream, bah, le stream il a 30 fps. Par contre le jeu en lui-même est à 60. Tourne à 60 fps tranquillement. Donc, ça c'est très bien. Ah, ils font quand même attention, ils volent les balles. C'est ballot ça. Gaspiller une carte. Tiens. Toi donc ça. Ok, donc là il y a du monde. Ok. Donc ouais les armes, en tout cas à mon niveau, là par exemple les fusils, les SMG, je vais avoir entre 11 et 12 balles. C'est les carbines, c'est ça, parce que j'ai 30% à moins de pick-up. Non, c'est SMG. Non, ça devait être un carbine, ça. Ça tirait quand même assez lentement. 37%, 37%. Et donc l'intérêt, c'est de mettre des points pour avoir plus de munitions. Donc je passe de 30 à 37 quand je mets un point, donc le maximum c'est 10. Donc si 7%, bah j'aurai 100% des munitions à la fin. Quoi. Ça c'est pareil, la durabilité. Ouais, ça me permettrait d'arriver à 100%. Puis là c'est juste du pourcentage de dégâts, donc c'est 5% à chaque fois. Pour faire mal. Donc ouais, je peux avoir une arme de mêlée et puis une arme à distance. C'est pas parce que j'ai une arme à distance que je suis obligé de m'en servir. Ça c'est bien ça. Bim, c'est très bien. Voilà. Les armes de mêlée font très très mal aussi. Au corps à corps, bien entendu. C'est une petite ronde qu'il faisait lui. Hein. Donc les décors, bah, je démarre dans un temple. Donc c'était un peu plus sympa au tout début parce que c'était ouvert. Là je suis dans les sous-sols du temple. C'est un peu sombre. Mais je pense qu'on va pas tarder à ressortir là. Ce qui est intéressant, c'est que les exécutions aussi dépendent de l'arme qu'on a d'équipée. Ça ne consomme pas de la durabilité de l'arme. Et je me demande si ça en rajoute même pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, il n'y a pas d'expérience à proprement parler. C'est vraiment juste les manuscrits et les tablettes à trouver. Donc tuer tout le monde... Bah si, tuer tout le monde, c'est l'expérience de... C'est ça, c'est l'expérience des armes. Ou des attaques qui permettent de débloquer les perks. Donc ça a quand même un intérêt. Oula. Ah, eux ils savent où je suis. Pique perk dans quoi? Alors le problème c'est que c'est pas toujours évident de savoir où j'ai un point de perk.
Donc, ah si, j'ai le point d'exclamation, autant pour moi. Donc silencieux, ça va être très bien ça. Rite of Fire, je m'en fiche. Plus de munitions. One shot. Alors, silencieux. Silencieux, ça sera cool. Viens ici, toi, rapproche-toi. Bim. Je sais pas pourquoi ça m'a limité la map. Ah, parce qu'en fait, dans l'eau, je vais plus lentement. Ça n'a pas été pratique, j'imagine. Altac tablette. Plus de munitions pour le pistolet. Bah ouais. Plus de munitions pour le pistolet. Surtout si j'ai le silencieux avec. Une torche, ce sera mieux qu'à main nue. Oups, je l'ai pas vu. Tiens, t'es ici, toi. Ok, silencieux. Ouf. Ah d'accord, il était pas mort, mais ça lui a fait un sacré retour. Hein. Scroll has been unlocked. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un truc. C'est dans le menu principal, on ira voir après. Ah, puis on voit le silencieux, c'est pas mal ça. J'ai pas l'impression par contre qu'il voit la lumière de ma torche, ce qui est pas une mauvaise chose. Ok, donc j'ai fini le niveau. Donc on est vraiment au début, hein, on est au début, un ancien mercenaire russe qui était en isolation dans un temple tibétain. Le temple se fait attaquer, on sait pas pourquoi, donc on n'est pas trop content. On commence à défoncer tout le monde. On va juste retourner au menu principal pour voir ça. Extra scrolls. Ah d'accord, c'est une galerie en fait. Ok, pas très intéressant. Donc voilà, intro. Donc là c'était un peu plus sympa, c'était ouvert. Là aussi. Acheter en intérieur. Là c'est ce qu'on vient de faire dans le sous-sol. Là, ça doit être un petit peu plus lumineux, je pense. À l'avoir avant qu'il tire, donc il a pu alerter personne. En même temps, les bonhommes n'entendent pas de très très loin, ça reste un jeu. Ils peuvent être dans la pièce à côté s'ils n'ont pas. Ouf! S'ils n'ont pas de vue ou quoi, ils réagissent pas. Voilà, bon, du coup, je vais utiliser plus le pistolet. Ah! Silencieux, ça sert à rien du tout quand les ennemis t'ont vu. Ouh. Dangereux ça. Ok, là, il remonte un tout petit peu, mais là, faut que je fasse une exécution. Pour récupérer de la vie. Ah putain, l'ennemi qui sort de... je l'avais pas vu, j'avais pas d'angle. Ok, ça va être un petit peu costaud. Ah, ça va pas aller du tout ça. Ok. Eh ben. Bon, j'ai le shotgun ici au cas où, mais si je pouvais faire des bonhommes en discret, ce serait bien. J'ai des perks sur le shotgun.
Restore additional health, fait des plein de dégâts au corps à corps. Go through the first target. Travel distance is doubled. Ah, tout est intéressant. Je préfère faire au corps à corps quand même. Alors, traverser c'est bien. Remonte plus de vie, c'est bien aussi. Mais on va prendre le pierce. Donc ce qui est intéressant, c'est comme on joue à peu près avec tout, tout va monter plus ou moins, même si on met pas des points dedans. Voilà, donc là, le silencieux a servi un tout petit peu, on est sur le premier bonhomme. Ah bah le premier est mort. Zut. Les finishes sont plutôt sympas. Alors il y a encore un autre truc. Donc quand... Alors je sais pas comment on monte ces jauges par contre là. Monk et Soldier. Donc ça progresse quand on fait des levels dans tout. Mais on peut aussi débloquer des perks ici. Qui permettent d'avoir plus de vie, faire plus de dégâts de manière générale. Ça, ça peut être pas mal, ça désarmer un ennemi. Et je sais pas comment ça monte encore. Ah bah je suis mort. Il y a beaucoup d'ennemis avec des armes ici, hein. Faut faire attention. Donc je recommence au début du niveau par contre. Bon, c'est pas spécialement un problème. Après le niveau peut être un peu long, mais il faut que je fasse attention. Ok.